contre JS Kabylie. Nous avons avec nous le joueur Ariski Amaroun. Il est accompagné de l'entraîneur Denis Lavagne. Et le principe reste le même avant de poser vos questions. C'est de décliner votre identité, le média pour lequel vous travaillez, et ensuite vous poser votre question. Je précise que pour le début, vous aurez chacun droit qu'à une question. Et si le temps le permet, nous ferons un second round de questions. La conférence de presse est ouverte. Question. Coach. Rachid Falouassif, du 5 6 Canada. Merci Hamamoun. Voilà ma activité. Nous avons fait le de Sierre Tamar Noumakal. Vous venez avec une foule de Tabatakimoun GSK. Tabatakimoun GSK. Voilà l'amicale internationale. Posez-la également en français, sinon on ne pourra pas y aller parce que... Il est là, le chargé contre... La langue habile fait partie des... Oui, non, mais sauf que la langue officielle de la CAF, c'est le français ou l'anglais. Soit vous le dites et lui, il traduit. Donc, principalement, ce que j'ai dit, c'est que, il y a un appui énorme des supporters de la GFK qui sont venus de partout, des 5 continents de la planète. Et puis aussi à l'amicale internationale des supporters de la GFK dans ce moment, qui sont venus en force aussi. Donc, quel est le sentiment du joueur de la GFK que vous êtes par rapport à ce soutien. Merci. Bon, Zulf Laoune, bonsoir. C'est vrai que on sait tous que Zalak, la GSK, c'est beaucoup plus qu'un club, c'est une identité. Je pense que tout le monde est derrière nous, on connaît les enjeux, on sait que ça ne va pas être facile, et on les remercie déjà pour d'être déplacés. J'espère qu'on partira tous heureux à la fin du match. Cette année, notre saison elle est plutôt réussie, mais je pense qu'on n'est pas encore satisfait jusqu'à... Parce que comme le coach l'a déjà dit, on n'a rien gagné encore. Il reste une grande bataille qui sera demain à livrer. Inch'Allah, on sera sacré champion. Et pour votre deuxième question, c'est vrai que les joueurs du Raja, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Nous, on est plutôt une équipe jeune. Et je pense que pendant 90 minutes, demain, ça ne va pas se voir parce que nous, notre force, ça se voit dans le groupe. Ça a toujours été le groupe, notre force, depuis le début. Et ça restera et on est optimiste pour demain. Coach, je vous repose la même question que j'avais posée à votre... Aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec un seul match, une seule finale, où pratiquement il n'y a plus de calcul à faire. Justement, votre avis sur cette nouvelle formule, est-ce que vous appréciez ou pas? Et aussi, comment se présente cette finale? Notamment, vous avez connu beaucoup d'aléas en termes de pour s'entraîner, les va-et-vient, etc. Vous n'avez pas vraiment eu le temps nécessaire pour... Ça vous a pris de votre temps, beaucoup de votre temps. Oui, je dirais une finale, normalement, ça se joue sur un match. Donc je pense que c'est une bonne chose de finir la compétition sur un match. Ensuite, en ce qui concerne la préparation, dans l'ensemble, on a été bien accueillis. C'est vrai qu'il y a juste le problème de devoir faire 2 heures de bus pour aller s'entraîner. C'est un peu dommageable, mais bon, on perdait, on attend de bien pouvoir récupérer. Et après, sur un match, oui, c'est vrai que je dirais que sur un match, tout est possible, puisque c'est souvent des finales qui se jouent sur un match. Ça, je dirais, nivelle les valeurs et donc... Bon, je pense qu'une coupe, c'est bien de se terminer sur un seul match.